Je m'appelle Linda Joaher, j'ai 53 ans. Je suis militante féministe et de la démocratie. Je viens de Tizi Ouzou, Kabylie, Algérie. J'étais commerçante, mais actuellement, je fais une petite pause personnelle. Oui, j'ai participé dès le départ au Hirak, et c'est de ma propre décision. Parce que quand même, je suis militante de longue date des droits des femmes et des droits de l'homme. J'ai rejoint le Hirak pour le rejet d'un système établi. Je suis une enfant du printemps, le printemps berbère 80, c'est-à-dire que ce qu'on appelle Tefsousi Maziran. Et en 1990, avec des amies étudiantes comme moi, militantes, surtout à l'époque, on était dans le mouvement culturel berbère. Mais à un moment donné, on a senti la nécessité de créer une association femme, une première à Tizi Ouzou, qu'on a pu faire jusqu'à l'assassinat de notre amie Nabila Djahid, qui était la présidente de l'association Sérénette Montos. Donc après l'assassinat de Nabila et la décennie noire qui en a suivi, où on avait tous peur, on ne savait pas comment se protéger. Personnellement, je me suis retirée de toute activité politique. J'en ai suivi après aussi le printemps noir. C'est-à-dire que là, je parle quand même par décennie. La décennie noire, les années 90-2000. 2001, il y a eu les événements du printemps noir en Kabylie, où beaucoup de gens, 128 jeunes sont morts. Donc la situation était devenue complexe. Pour pouvoir déjà, quand on vit des deuils de proches, d'amis, c'est difficile de dépasser ça. Depuis pratiquement les années 90, donc j'ai pas trop milité. Milité quand même occasionnellement dans des activités liées aux droits de l'homme et aux questions femmes. Après le 22 février, j'ai repris mes activités. Maintenant, ce qui m'a poussée en tant que femme, déjà en tant que femme amazir et algérienne, je me sens dépossédée de ma culture. Et en tant que femme, de ma citoyenneté à part entière. C'est ces deux éléments qui m'ont poussée à reprendre le chemin des luttes. Son abrogation et son remplacement par des lois civiles et égalitaires, ce sont là des éléments qui peuvent permettre à la femme de s'épanouir, de s'émanciper. Je le disais tout à l'heure, il y a les traditions, mais il y a aussi le code de la famille. Le code de la famille qui a mis la femme de loi qui ne lui permet pas son émancipation. Et surtout, la cellule première, c'est la famille. Et si la femme, déjà, dans la vie de tous les jours, on ne le ressent pas. Mais quand on est confronté dans un cas de divorce, ou pendant le mariage, ou pendant même aller travailler, si l'époux n'est pas d'accord. Donc on est confronté à ce code de la famille. Donc la femme ne peut pas avancer, ne peut pas s'épanouir, ne peut pas s'émanciper. La concession, elle est voulue. Elle est voulue, et ça pour changer les mentalités existantes. C'est-à-dire qu'on est des filles de famille, donc surtout quand la famille elle est grande, on suit, c'est pas évident. Et comme généralement, c'est la famille qui décide sur la femme, c'est pas évident de sortir de cet engrenage-là. Mais ceci dit, le combat de la femme, c'est un combat de tous les jours. Chacune, comment elle le vit au sein de sa famille, déjà, après au sein de la société. Mais déjà, si tu arrives déjà à t'émanciper dans ta propre famille, à crier ton rejet d'un système. Donc la suite devient de même. D'abord, je n'ai pas rencontré personnellement d'obstacles. Comme je vous ai dit, les luttes, elles ont ma propre lutte en tant que personne, elle a commencé déjà à partir du moment où je suis rentrée à l'université. Déjà là, où je voyais certaines choses par rapport à ma culture, par rapport à ma condition de femme.
Donc les débats entre étudiants m'a permis d'enrichir un petit peu, de me développer personnellement. Il y a des inquiétudes que je trouve légitimes de mes parents et surtout de ma mère, qui est Mujahida, qui a eu ses désillusions. Et ces derniers temps, vu surtout les acharnements contre les militants, contre les journalistes, contre toute rébellion, est devenu un souci. Donc ma mère, souvent, elle me dit, ma fille, fais attention. Les militants de longue date, ils voient ça d'un bon œil, au contraire, parce qu'on a partagé quand même ensemble tout un cursus, tout un cheminement, je dirais. Donc cela, avec eux, on organise même des actions. C'est-à-dire qu'il y a eu des actions, par exemple, contre les éborgnés, contre les détenus, pour réclamer leur libération. Et par exemple, la période frappe quand ils l'ont assassiné, donc on a réclamé la vérité sur son assassinat. Donc il y a eu des actions communes, il y a eu même d'autres actions où c'était nous les femmes qui voulons organiser quelque chose, ils étaient là avec nous. Par contre, le citoyen lambda, ça c'est autre chose, il accepte le jeu. C'est-à-dire que, par l'habitude de voir les femmes dans la rue, donc ils sont rentrés dans le jeu avec nous. Donc il n'y a pas de souci. Vous savez, je suis à Tizi Ouzou, une ville d'ouverture, une ville qui est habituée à la présence des femmes dans la rue, dans les cafés, dans les marches. Donc, non, je vous dirais que depuis le printemps berbère, la société Maziran 80, les femmes, nos aînées, ont participé aux marches, à la rédaction de déclarations, à des actions pour justement les revendications de l'époque. C'est devenu de fait. Non, personnellement, en Kabylie, les femmes, elles sont partie prenante des combats démocratique depuis les années 80. Donc il n'a pas changé. Donc elles sont dans les syndicats, elles sont dans les comités étudiants, elles sont dans le mouvement culturel, elles sont partout. Donc je ne pense pas, personnellement, je ne vois pas ce que a changé le Hirak. C'est un mouvement qui est une suite à un ensemble d'événements assez phares dans la construction de l'Algérie. Donc, ça n'a pas apporté. Par contre, la période que je vous ai dit de décennie noire, la période des 30 dernières années, le 22 février, il a pensé le flambeau, je dirais, on a dépassé la peur. Toutes les combattantes, toutes les moudjahidettes qui ont été... pour la reconquête de leur indépendance, je dirais, du pays. Mais desquelles, il ne faut pas oublier, il y a eu d'autres femmes, telles que Dia, femme insoumeur, qui étaient à la tête de milliers d'hommes. Donc celles-là aussi sont une source d'inspiration. Mais ce qui me chagrine, c'est qu'on ne raconte pas l'histoire au féminin. C'est-à-dire que... l'histoire au féminin, dans le sens où on ne parle pas de ces femmes-là. On parle de ces femmes-là à des occasions bien précises. Mais elle n'est pas dans les livrets scolaires, dans le sens où, déjà, l'histoire de l'Algérie, on ne la raconte pas. Que dirait-on des femmes? Actuellement, les femmes, généralement, elles accomplissent les métiers les moins rémunérés. Je ne parle pas de ce qu'elles travaillent à la maison. Le travail que fait la femme, par exemple, surtout en Kabylie, il y a un phénomène qu'on a remarqué ces derniers temps. Les femmes, elles ont repris les métiers traditionnels. C'est-à-dire que le tissage, les gâteaux, bon, le tissage, la broderie, la poterie. Donc elles arrivent à s'affirmer à une petite échelle. Mais malheureusement, leur travail n'est pas reconnu. Donc... elles travaillent quelque part au noir, ces femmes-là. Et beaucoup de femmes. Il y a celles qui sont
inscrites au registre de commerce, donc qui ont quand même, elles payent leur assurance, celles qui sont, par exemple, qui font les gâteaux, qui font la couture, les salons de coiffure. Celles-là, quand même, elles sont reconnues, elles sont classées comme femmes travailleuses. Mais il y a beaucoup de femmes qui travaillent surtout dans les villages, je ne parle pas dans les grandes villes. Mais ça reste un travail au noir, qui est mal rémunéré. Ça ne pourrait pas être une source d'avancement dans l'économie algérienne. Aussi, si par exemple, il y a eu déjà des appels des caisses d'assurance, la CASNOS, celle qui s'occupe des non-travailleurs, des non-affiliés à des administrations, pour que les gens cotisent pour avoir une retraite, généralement les femmes ne se sentent pas concernées parce qu'on ne leur explique pas que ça peut être un bien pour toi. Par exemple, à un moment donné où tu es appelé, par exemple, à divorcer ou à ne pas avoir un statut, déjà même pour payer tes moindres médicaments, quand même qui sont assez chers, surtout qu'à un certain âge, on connaît tous qu'il y a des maladies quand même qui sont assez lourdes, le diabète ou les tensions, qui nécessitent des traitements assez consistants. De temps en temps, je vais le dire, mais je n'aime pas. Je préfère le terme Tegraoula. Tegraoula, ça veut dire une révolution. Elle est certes pacifique, mais c'est une révolution que vit actuellement le peuple algérien, femmes et hommes. Personnellement, ou le groupe, ou l'association collective avec laquelle qui s'appelle Selim Tomtos, Lilis Njarjar, on est conviés aux marches. Quand il y a des actions à faire, des rencontres pour débattre des questions et s'en suit. Donc pour moi, on joue le même rôle. Et c'est un rôle et on s'impose par rapport à ça. Parce que je ne peux pas dire à chaque fois, je suis dit, non. La meilleure façon de changer les choses, c'est de participer et d'être active. Parce que de toute façon, le malaise que nous vivons, le rejet de ce système-là, nous le vivons hommes et femmes. C'est le mouvement qui a été renforcé par la présence des femmes. J'inverse les choses parce que, comme je le disais, les femmes et les hommes, me concernant, font partie prenante de cette révolution, de ce mouvement justement. Donc, mais par contre, l'apport des femmes, c'est par rapport à un projet de société moderne que nous voulons construire, nous, en tant que femmes. Du moins, en tant que féministes. Je ne parle pas des autres courants. Donc, la présence des femmes n'a pas pacifié ou elle a son apport. C'est-à-dire que la femme, elle a toujours été à l'avant-garde. Je parle de ma région. Hein. Je ne connais pas trop ce qui se passe ailleurs. Concernant, on a été à l'avant-garde. Donc, comme je vous disais précédemment, on a l'habitude de la présence des femmes dans les rues. Et puis, l'apport, comme je disais aussi, là, c'est les femmes qui apportent un plus. Pas seulement dans la pacification. Non, la question femme pose un projet de société. Parce que les revendications femmes, c'est des revendications pour l'égalité entre droits effectifs et réels, en droit et en devoir. Donc, elle pose un projet de société. La question d'égalité. Donc, on ne peut pas la remettre au calendrier. Cette fois-ci, on se dit, pourquoi à chaque fois remettre de tout ce qui s'est passé depuis 62, les Moudjahidines, on leur dit, c'est pas le moment, c'est la construction de ce pays. Après 88, non, c'est l'ouverture démocratique, il y a des questions les plus urgentes, mais jusqu'à quand on va poser les réelles questions qui nous touchent? Avec la montée de l'islamisme politique, les moindres acquis sont remis en cause. La répression est condamnable, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. Maintenant, on ne va pas revendiquer l'égalité dans la répression quand même. Mais ceci dit, justement,
ce que nous voulons, hommes et femmes. C'est revendiquer un pays, une société, qui puisse réhabiliter le citoyen algérien, homme et femme, dans ses droits et dans ses devoirs. Donc la répression, elle est homme et femme. Ce n'est pas la présence des femmes qui ont arrêté. Quand ils veulent arrêter, ils arrêtent. Que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, que ce soit des hommes, même des enfants. Mais ce qu'il y a lieu de faire, c'est de condamner cette répression. Bon, actuellement, la question des droits des femmes est au centre des débats. La femme, ou le mouvement féminin, est porteur d'un projet de société ouvert vers l'université, donc vers la démocratie. La jeunesse qui s'est soulevée, qui est sortie dans les rues, a rejeté un ordre établi. Que ce soit dans le système de gouvernance, que ce soit dans la représentativité, parce que un jeune, un jeune, déjà c'est quand même 70% de la population. Ils vivent un malaise économique, social. Je dirais, de mentalité, d'un rejet de beaucoup de choses qu'eux-mêmes n'arrivent pas à régler dans leur tête. Mais déjà, ils sont arrivés quand même à avoir un objectif. Ils ont pu réaliser quand même de belles choses. Évidemment, il y a le soutien des aînés qui ont déjà traversé par des périodes et sans suite. Mais déjà, ils sont arrivés à créer quelque chose. Le leadership, quand même, il faut laisser le temps à ces jeunes-là de se former. De comprendre les choses, avancer, et pour que ça puisse émerger ce qu'on appellerait des leaderships. Mais il faut leur laisser le temps pour ça. Les organisations internationales aident et encouragent les femmes à s'autonomiser, à avoir leur émancipation. Donc, que ce soit les femmes qui travaillent dans les métiers traditionnels ou les femmes qui sont dans le travail de la terre. Ça, c'est une question que je ne pourrais pas trop répondre parce qu'il faut poser ces questions-là à celles qui bénéficient de ça. Mais quelque part, il y a eu des débats que j'ai assisté avec certains collectifs qui travaillent dans la femme rurale et s'en suit. Je sais qu'elles sont aidées, que ce soit par des formations, par des séminaires. On les aide à s'organiser, à comment récolter, à comment travailler sur le plan déjà information, déjà parce que les femmes généralement qui travaillent dans le traditionnel ou dans le travail de la terre, donc les produits de la terre, n'ont généralement pas de formation. Les formations surtout, je sais qu'il y a beaucoup de formations, même par exemple pour les femmes violentées, je ne parle pas que des femmes violentées, il y a des formations de self-défense, d'estime de soi, tout ça c'est des bonnes choses, malheureusement c'est des choses qu'on n'a pas chez nous. Pour moi c'est déjà une victoire que les gens dépassent leur peur, je viens de vous le dire par rapport à l'Odyssée noire, par rapport à 2001, par rapport à beaucoup d'événements. Déjà que les femmes et les hommes sortent dans la rue pour crier un ras-le-bol, c'est déjà une victoire. Maintenant, comme je l'ai redit tout à l'heure, c'est de placer des structures pour débattre des questions qui nous unissent pour construire cette Algérie-là. Et puis, quand vous voyez, par exemple, à Tizi Ouzou, durant les marches, il y a des groupes de jeunes qui nettoient dans la rue, il y a le respect, c'est-à-dire que quand, par exemple, quelqu'un se permet, surtout généralement, on aime bien draguer les petites jeunes filles. Donc les gens sont remis à leur place. Donc tout ça, ça fait partie de l'éducation civique. Il y a aussi, par contre, il y a de grands débats. Il y a une conscientisation, il y a une peur qui est dépassée déjà. Déjà, c'est s'exprimer. Le rejet de toute représentativité, de tout ce qui est système et s'ensuit. Mais donc les gens ont essayé de comprendre ce que c'est que l'article 2, ce que c'est que l'article 1, ce que c'est qu'une constitution, ce que c'est qu'un droit, ce que c'est qu'un devoir. C'est vrai que Fegalaoula a permis au mouvement femmes que les femmes sortent et même s'organisent autour d'un mouvement. D'ailleurs, actuellement, il y a tout un mouvement, il y a un mouvement national des féministes algériens qui est en train de se créer. On a fait déjà 3 réunions, justement pour essayer de voir comment s'organiser, comment placer nos revendications, comment s'exprimer, comment faire entendre nos voix.
les femmes ont profité de cette ouverture-là pour justement reconquérir les rues. Je réaffirme ce que j'ai dit tout à l'heure. Le Hirak n'est pas sorti de rien. Il est la conséquence ou une suite d'événements de petits Hirak qui ont eu lieu depuis 80 et même avant dans certaines régions. Il y a eu 81, il y a eu 86, il y a eu 88, il y a eu 2001. Donc le Hirak n'est pas sorti de rien. Donc et chaque génération, elle a vécu. Chaque génération, en fait, d'hommes et de femmes, pour moi, c'est clair, elle a vécu son petit hirak ou son avancée par rapport à des revendications. Maintenant, cette nouvelle génération dont vous parlez, elle se construit à travers des expériences. Quand même, il y a eu une transmission générationnelle par rapport au mouvement, quand même, la nouvelle génération. Surtout de femmes, je parle des femmes, je ne parle pas des jeunes hommes, je parle des jeunes filles que je vois dans le mouvement femmes. La plupart quand même, elles essayent de savoir qu'est-ce qui s'est passé déjà, parce que quand même il y a eu des tentatives, qu'il y ait, par exemple en 89, il y a eu un mouvement national, il y a eu une coordination nationale des femmes algériennes, qui est morte dans l'œuf, bah, juste parce que juste après c'était la décennie noire, donc tout le monde, il fallait qu'il se protège. Mais cette nouvelle génération, doit passer par une période où elle doit se construire et s'affirmer en tant que telle. La nouvelle génération, elle est beaucoup plus à cheval sur des questions que nous-mêmes, on n'oserait pas en parler avant. Par exemple, par exemple, à disposer de leur corps, par rapport à des questions du genre, les questions d'homosexualité, des questions quand même, elle en parle. Contrairement, elle pose des problèmes d'avortement, contrairement à notre génération qui était, on voulait, déjà la présence à l'époque était une agression. Algériennes qui ont eu lieu depuis 62 ont consacré l'égalité entre hommes-femmes. Mais ça n'a pas empêché en 84 qu'il y ait le code de la famille. Ça n'a pas empêché le pouvoir de promulguer un code de la famille qui minorise la femme à vie et qui assure la prédominance de l'homme sur la femme. Maintenant, concernant les violences, c'est vrai que c'est un problème qui est en train de prendre de l'ampleur. Surtout que, avec la décennie noire, je reviens à ça parce que c'est quand même une plaie que nous avons vécue. La décennie noire, la vie humaine n'a plus de valeur. Elle a banalisé la violence. Il y a aussi, pas seulement la violence, même les féministes. Actuellement, il y a tout un travail sur les féminicides parce qu'il y a des femmes qui sont tuées parce qu'elles sont des femmes. Et qu'il y ait des textes, oui, mais et les textes, parce que le problème qui se pose, c'est pas seulement au niveau de la Constitution, là, je crois que c'est le 40. On verra bien les textes d'application. Par exemple, en 2015, il y a eu un début de travail par rapport, il y a eu des questions sur les violences faites aux femmes où c'est condamné. Mais il y a eu, on a en même temps mis la clause du pardon. Sachant une femme qui vit dans une famille, son conjoint qui la bat, elle va trouver, elle dit que si elle le dénonce, elle est rejetée par toute la famille. Maintenant, la véritable question, justement par rapport à ces lois d'application. Est-ce qu'il parle de structure d'accueil ?
Actuellement, à l'échelle nationale, je crois qu'il y a 4 ou 5 structures d'accueil de femmes battues. Et la plupart, c'est des privés. Il n'y a pas de structure. Le véritable problème, c'est qu'on doit installer des structures d'accueil dans chaque wilaya, au moins dans chaque région. Si une femme a un espace, un endroit où aller, qui va la protéger au moins le temps qu'elle s'en sorte. Parce que généralement, ces femmes la violentées, elles n'ont ni ressources, ni diplômes. Ça ne veut pas dire que les femmes diplômées ne sont pas victimes de violences, non. Mais justement, les femmes fragiles sont celles qui n'ont ni ressources et ni diplôme, c'est-à-dire qu'un minimum de formation. Et puis, il y a aussi les femmes divorcées qui se retrouvent aussi à la rue. On en voit tellement des femmes avec leurs enfants dans les rues. Donc, l'installation est une exigence, l'installation de centres d'accueil pour la prise en charge de ces femmes-là est une nécessité. Si on veut vraiment qu'on puisse dépasser. Je pense que la crise sanitaire, quand même, elle a freiné le mouvement. Elle a empêché que le mouvement puisse avancer, puisse s'installer dans la réflexion, dans les débats, pour pouvoir déjà réfléchir à un mouvement de société, à un projet de société que nous voulons. C'est-à-dire que déjà, cette crise, on met le Hirak, a permis quand même de réveiller les consciences. Avec tous les débats, avec tout, même des fois dans la rue, comme ça, en plein vendredi, les gens débattent des questions qui les dérangent. Chose qu'on n'a pas. Et ces derniers temps, il y a quand même une remise en cause des libertés d'expression, des libertés de se réunir, de se voir, mais pas des fois, à 4 personnes, on t'arrête dans la rue, on vous dit. Séparez-vous. Donc, depuis le 12 décembre, quand même, il y a une remise en cause claire et nette des acquis démocratiques. Le peu d'acquis démocratiques qu'on a eu depuis octobre 1928. Mais ceci dit, de toute façon, la lutte continue et on verra bien où ça va nous mener. Toute pensée rétrograde, totalitaire, hadouk, ne saurait trouver de place dans un système démocratique. Non, mais il faudrait que maintenant, que nous, les démocrates, qu'on se... c'est vrai qu'il y a une chose que j'aime beaucoup dire, on leur a trop laissé le terrain, c'est-à-dire qu'ils nous ont maintenus dans la peur. On a été maintenus dans la peur pendant ces 30 dernières années. Et ce que j'appellerais les démocrates, nos démocrates, on s'est oubliés. Alors que ce courant-là, il a fait son travail de sape au sein de la société profonde. Mais je crois que les valeurs... Parce que l'Algérien... tôt ou tard, malgré toutes les crises qu'il a vécues, sanitaires, les tremblements de terre, tout ça, affecte le moral et l'être humain est faible. Mais on trouvera la force de dépasser tout ça. Je pense qu'il va revenir, mais bon, ça m'étonnerait qu'il revienne par seulement des marches si on suit. Actuellement, il y a des gens qui essayent de créer des organisations, des espaces de débat. C'est vrai que c'est difficile actuellement, où tout est muselé, tout est bloqué, on ne peut pas se réunir, on ne peut pas faire un minimum d'activité, même de formation, tout est fermé. Donc c'est difficile. Mais je suis convaincu qu'il reviendra. Oui, il reviendra. À savoir la forme maintenant, c'est à nous, les militants, de définir les formes, comment il va revenir. Parce que quand même, certes, il y a eu des acquis du Hirak, mais ce n'est pas suffisant. Et le bouillonnement social, on le ressent encore. C'est-à-dire que la pandémie a rajouté son grain de sel, mais il revient. Il y a des tentatives actuellement, mais elles sont reprimées à la source. Je suis convaincue que le mouvement femme apporte sa touche dans cette révolution. Parce que le projet de société pour une Algérie démocratique, un système démocratique, ne peut se faire sans la présence des femmes. Et j'en suis convaincue. Il y a mon dernier slogan, c'est-à-dire que l'espoir d'un renouveau pour une Algérie libre, démocratique, plurielle, égalitaire et sociale.